Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Palmi Sakma pour la CAI. Nous venons voter pour quelques retombées de décision. Ça nous connaît que le Supreme Court fait. Côté que justement, il retire les droits constitutionnels que les femmes ne peuvent pas gagner pour décider si apporter un petit monde ou pas. Eh bien, ça bon doute, c'est que la décision ça n'est pas vraiment découragé ensemble. Femmes qui pensaient que ça c'est un départ en arrière qui vous fait, mais mouvement déclenché un peu partout. Donc, bataille qu'on est là, li pral fait tout sur le plan électoral, puisque la justice pas nécessairement gagne dernier mot. Nous voulons rappeler que le Parlement yo appelé pour yo faire loi et des lois qui au-delà de Sandaré le Supreme Court là. Donc, c'est ainsi que, eh bien, et décision ça a justement limité, on dit gaz, limité justement l'huile sous du feu. Qui pral un motivateur pour différentes batailles électorales, parce que bah, la voie fait au niveau de state, il faut comprendre ça. Parce que, puisque vous dites pas de la constitutionnelle, eh bien, state by state, il y a des gouverneurs qui ont choisi de retirer le gain d'autres ou pas. Donc, vous avez comprendre différentes batailles, tant qu'on dit bataille qui ont fait par Borisit entre Desanti et démocrates là, ainsi que bataille qui ont fait Georgia et avec Abraham. Donc, parce que c'est gouverneur qui va le gain pour enforce. Bien entendu, il faut pas oublier que le gouverneur a un pouvoir de veto. Plusieurs states et yo même y a travail pour yo protéger droit pour femme gagner pour dire s'il a porté un petit monde ou pas. Et force ça au cap fait surtout par leader démocratique l'homme cœur yo après décision suprême court là pour te éliminer droit ça. Et on dit que samedi c'est samedi tout passé là, c'est premier jour côté que officiellement nationwide sur tout pays a pas gagné une full protection et qui baï moun droit pour faire avortement depuis plus que 50 ans. Et on dit c'est un pacte historique qui gagné depuis que loi ça a quitté point depuis 1973 et côté que effectivement il te reconnaît droit constitutionnalité. Et maintenant gagner dans moment on a parlé à n'importe 26 states qui étaient déjà gagné sans d'arrêter des lois en sommeil des lois qui ont déjà fait là en sommeil ont dit aussitôt que suprême court t'a retiré droit ça comme un droit constitutionnel ou même il a rentré en action automatique. Mais ça vient de passer là tout fond d'où gagner des states côté que bah ça t'a supposé automatique mais gagner des gouverneurs démocrate. On veut dire bataille dans la cité Michigan. Michigan qui gagne gouverneur qui gagne un gouverneur démocrate. Mais il y a rien, il y a une loi dormant. Ça n'est les lois dormant sont loyauté écrit au dit aussitôt qu'elle va constitutionnel automatiquement pour l'enforce. Alors là, gouverneur là lui-même là qui trouve dans ses petits souliers parce qu'ils sont démocrates liés, il t'avait aller la justice avec causer ça. Gain des têtes de ce genre qui gagne des gouverneurs démocrates et qui gagne Parlement républicain son véritable bataille liée. En tout lieu pour Georgia bon côté parle déjà gagné une loi restrictive qui interdit avortement loi qu'il relait fetal heartbeat qui pas interdit et avortement de manière totale mais qui dit que à partir du moment que quelqu'un monde n'a bat est capable de détecter lui d'après eux-mêmes dans 6 mois lui interdit dans 6 semaines bien entendu l'interdit et avortement une loi qui était passée et signée par gouverneur actuel là qui c'est et Brian Kent mais nous connaissons tout loi ça l'été en suspens en fédéral code là était dans code l'Atlanta il était suspendu maintenant actuellement à cause du Supreme Court là loi va prendre effet donc à partir de dimanche et en fait hier dimanche là et candidat pour gouverneur de Georgia, nous voulons parler Stacey Graham, lui déclarer que loi ça en effet. Stacey Graham qui va le faire face à face avec Kemp, gouverneur de Georgia, justement, lui reconnaître que 6 semaines ben Georgia, actuellement, c'est lui-même qui loi dans ce state là. Et lui-même lui dit, eh bien, Mounio, comme next gouverneur, lui promet qu'il pourra faire tout ça dans le pouvoir pour remettre Famio droit ça que vous avez gagné.
et Abraham et Stacey Graham, Stacey Abraham, lui mandé président Biden pour faire tout ça qui dans pouvoir au niveau de l'exécutif pour protéger, pour mitiger en d'autres termes pour mitiger en parler avec décision ça. Et même il focus surtout son message sous Sandarelle fédéral législatif, il t'a supposé grand fédéral loi qui vous t'a permettre famille faire choix ça vous voulez faire avec koyo pour reproduire ou pas. Mais il connaît que son baraki assez difficile étant donné que nous avons un Sénat 50-50, démocrate aussi 50% et autres. Donc et Stacey Graham cap mandé mounyo justement surtout pour Georgia li avec yo et que comme next gouverneur li pral protéger droit sa yo. Entre-temps gagne des démocrates cap prend d'autres approches et gagne qui t'a mandé Biden pour ta décréter ça dans le National Emergency Health Crisis, en crise de santé. Jusqu'à présent en Apton, Biden dit qu'il a fait une décision comme ça, nous vous reconnaissons. Et depuis que décision est venue, depuis vendredi, décision ça a tombé. Gen député Alexandre Ocasio-Cortez dans New York, li et li gantan et fait un levée de fonds qui est estimé à $400,000. $400,000 pour aider les gens qui prennent la bataille dans le droit pour les gens faire ça ouvrir avec Koyo. Li gen des dizaines de milliers des dizaines de milliers de monde qui te gardé dans sens ça à côté qu'elle défend live samedi soir. Ocasio-Cortez dans NBC Meet de presse dimanche matin, il suggère pour Biden ta étendre accès avec abortion à travers en plusieurs façons tant qu'ouvrir des cliniques dans fédéral l'indio. Nous pensons que ça sont l'autre option, on va bien parler de ça. Ouvrir des cliniques dans fédéral l'indio par exemple dans camp nan kan Sandarelle et soldat avec soldat fédéral yo et utiliser plusieurs tools de fédéral agency pour aider des Sandarelle des médicaments pour avortement capable disponible à travers des piles et autres mail by ça. Sénateur Elizabeth Warren de Massachusetts by même plan tout pendant une interview que le fait avec ABC ce matin côté qu'il dit pouvoir fédéral là supposé considérer tout ça qui disponible tout moyen légal pour mitiger justement interdiction ça pour aider state yo côté que femme yo ta vle voyager pour aller chercher les aides dans causer avortement. Advocacy group entre-temps a pressé avec d'autres légal arguments au sein de state yo dans les cases justement pour yo capable slow restriction ça yo dans Utah qui parmi yon nan state qui gantan rapidement introduit interdiction ça depuis jeudi. Rien planète par nous là qui déjà fait on leur soute contre state top leader yo et côté que yo dit nouvelle loi ça a violé plusieurs Sandarelle et liberté civile codifiées dans constitution state là. Donc voilà justement et on dit c'est vraiment une bataille qui trop corsée, gagner des mouvements de manifestations qui étaient en pile monté dans New York, démonstration contre décision ça. Dimanche, il y a une parade dans New York City qui organisait et qui montrait solidarité moun yo gen avec moun qui a fait mouvement pour droit que femme gagne pour décider ça pour yo faire avec koyo. Donc voilà en substance Jean dossier ça. Il y a un dossier qui soulevait plim nan do plusieurs acteurs en pile moun des actes, gagne des sportifs, gagne des chanteurs et différents acteurs a intervenu avec information ça vraiment qui semé la trouble un peu partout pas bon ici aux États-Unis. Donc voilà guys, c'est nous te voter update ça vous et n'a suivre dénouement. C'était un plaisir.